Et bonsoir, et je suis Karine Busticard, rédactrice en chef de Prions à l'Église, et je suis avec Guylaine Collineau, je suis en charge des développements numériques pour Prions en Église. Et alors nous venons de finir une veillée de prière pour les défunts de nos familles et les défunts des familles de nos lecteurs, tous ceux qui nous ont été recommandés dans la prière au long de cette neuvaine. Là, nous avons une bougie votive que nous avons allumée depuis hier soir, voilà, à la veillée de la journée de Toussaint, et qui nous a accompagnés en symbolisant, voilà, la prière qui nous a été recommandée par tous nos lecteurs et tous ceux qui nous ont fait confiance. Peut-être qu'on va lire une ou deux intentions. Voilà, nous les avons, les sœurs nous ont aidés à les recueillir dans ce recueil, voilà, d'intentions. Et je lis une et puis après je te la passe. Alors, une intention de Caroline, par exemple, pour le repos de l'âme de Clément et de tous les défunts de la famille. Une intention de Cécile. Je veux confier ma mère Cécile Fontaine, qu'elle soit en paix auprès du Seigneur. Je m'ennuie tellement d'elle. Je t'aime, maman d'amour. Une intention de Jean-Louis. Je confie mes parents, mon frère, ma sœur et tous les membres de nos familles, amis et connaissances, ainsi que tous les défunts qui meurent dans la solitude. Que le Seigneur les accueille auprès de lui et qu'un jour nous puissions tous nous retrouver dans le royaume du Père pour l'éternité. Une attention de Laurence. Nous te confions Claire, Lucienne, Juliette, Joseph, Paul, Georges, Angelina, Brigitte, Annie-France, Marie-Madeleine, que nous n'oublions pas, tout comme Dolphy, Cornelia, Bibi, Mimine et Yuki, nos petits amis à quatre pattes. Alors, chers amis, chers pèlerins, tous ceux qui avaient vécu cette neuvaine des prières de consolation avec nous, nous vous remercions et nous nous unissons dans cette prière avec tous les saints du ciel et puis les défunts de nos familles. Merci et à bientôt.